qui a été assez fascinant, c'est qu'on se retrouve dans des endroits tellement différents en une seule journée. Je pense par exemple à hier, on s'est retrouvé sur la ligne Maginot, quand même très chargée d'histoire. Ensuite, l'après-midi, on a joué dans une poterie. Hier soir, nous avons joué dans une abbatiale. Donc, ce sont des rencontres à chaque fois très différentes, un public très différent. On a visité une magnifique roseraie, on a ramené du thé. Vraiment, les gens découvrent absolument le travail qu'on fait, la musique qu'on joue. Et les échanges sont très passionnants et on a vraiment l'impression de... Alors eux nous parlent de leur passion, de nous, on leur parle des oiseaux, de Rameau, de Monteclerc, de Pablo Casals. Et c'est vrai que ça, c'est quand même très, très émouvant.